À l'occurrence, Pasteur Alfred Félix, nous souhaitons et nous présentons ce soir la plus cordiale sympathie à la famille éprouvée. Que le Seigneur vous soutienne et vous console. Mettez-vous. Nous allons remettre le micro au frère Eugène Saint-Jean et c'est lui qui va nous conduire dans des cantiques avec la cérémonie de ce soir. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons, frères et sœurs, chanter ensemble le cantique numéro 102 du cœur des chants d'espérance. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, un bonheur félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, divin roi. Pendant jours à présent, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée, le voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours à ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse, quand tes yeux baissés sur moi, me diront avec tendresse, je mourrai, oh c'est pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, divin roi. Oh, ton jour à ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Nous fêtons le départ de notre sœur. Il y a l'habitude, il y a tout ce qu'on appelle habitude, mais la vie est ainsi faite. Si Dieu a décidé de la prendre avec lui, eh bien, nous autres, nous ne devons pas nous résigner, mais nous contenter de sa vie, des modèles qu'elle a laissés, de puissants exemples qu'elle a laissés pour nous, et de cette façon que Gamma va vivre dans nous, dans ses enfants, ses petits-enfants, même ses arrière-petits-enfants. Est-ce que Sœur Mylène Desrosiers est là? Sœur Mylène a bien prié pour nous, s'il vous plaît. Fonds-nous pour nous capables de prier. Seigneur notre Dieu, notre divin Sauveur, notre divin Rédempteur, Papa nous qui habitez dans les lieux très saints. Après-midi, nous venons devant Seigneur
pour nous venir, Seigneur, dans ce moment ça. Pour nous venir célébrer la vie de une femme qui t'a travaillé pour avancement travail sous terre ça. Seigneur, mes familles ça qui implorait par deuil ça. Dans ce moment ça, tendre père, n'a mando pour assister yo. Renforcer yo. Ba yo en pile courage pour capable surmonter de deuil ça. Tant pri Seigneur n'a mandé ou capable rete bon côté yo. Assister yo tendre père. Mais chaque monde qui l'entend ça Seigneur. Mais nous chaque qui là Seigneur. Qui là pour activité ça Seigneur. Nous pas fini Seigneur pour nous crier mais Seigneur pour nous ca plus raffermir foi nous parce que tu as choisi nous. Ou tu mette nous dans place ça. Et ou tu bon ou mette nous ou tu fait nous Seigneur. Nous vivons. Et un jour Seigneur nous gagnons pour nous mourir. Mais la seule raison, la seule chose, nous devons travailler pour dernier jour ça. Nous devons travailler Seigneur. Nous devons publier l'évangile. Nous devons lever l'évangile bien haut. Tout côté que nous avons passé Seigneur. Pour que au dernier jour, nous va héritier royaume ça réservé pour nous chaque Seigneur qui a servi. N'a mandé au Seigneur dans moment ça assister dirigeant tout ça qui gain pour fête dans service ça. Dans moment ça Seigneur, chant qui gain pour chanter yo, chorale qui gain pour faire le déplacement, tout ça qui gain pour fête. Messager Seigneur, remplis chaque monde avec puissance Saint-Esprit. Habitez dans nous, assistez dans nous Seigneur, parce que nous venons là, c'est comme si dans service ordinaire que nous venons. Nous venons Seigneur, pour nos bonnes gloires, pour nos bonnes actions de grâce Seigneur. Nous bénissons d'une façon très spéciale. N'a mandé au Seigneur, prends contrôle tout ça qui a fait dans service là. Prends contrôle toute bagaille pour nous Seigneur. Assister famille. Fais rester dans esprit d'adoration puis assister service là. Nous pas venir pour nous crier. Mais nous venir Seigneur pour nous tendre des paroles. En pile monde là venir pour tendre des paroles ou yo Seigneur. Paroles qui pral réconforter nam yo Seigneur parce que yon jour Seigneur. Les yonam, moment ça yo Seigneur Jésus, c'est vous-même seul qui va côté yo Seigneur. Seigneur nous dit merci. Béni assistance là. Béni tout ça qui ka fait Seigneur dans service là. Nous pas prions en qualité de monde qui bonne nous dit. Mais nous prions au nom de ton fils Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous allons continuer avec un deuxième morceau. Oh, quel beau jour où devant ta face. C'est 260, le cœur des chants d'espérance. Pas moyen de le projeter pour nous, s'il vous plaît. Technicien, 260, oh, quel beau jour où devant ta face. Je voudrais racheter. Oh, quel beau... Allons ensemble. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaît-toi. En célébrant ta gloire et ta grâce, et le chant, la sœur d'un tyran. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera bon lorsque nous irons là-bas. Oh, si nombreux que le
sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, sert un reflet dans l'éclat des cieux, tressaillant de moi, ineffable sur le sein du séjour radieux. Me grêle ça, les plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera bon lorsque nous irons là-bas. Oh, si nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père. À chaque vainqueur, nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera bon lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombre que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan dans nos côtes des vers sur le flot, l'univers d'un blossom des louanges, plein de corps, pas de pleurs, de sanglots. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera parce que nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera parce que nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Amen. L'inspecteur Destin va passer pour lire pour nous, avec l'Assemblée, le psaume 39. L'inspecteur Destin. Psaume 39. Pas encore arrivé, n'est-ce pas là? S'il n'est pas là, c'est Marie-Jo. C'est Marie-José. Psaume 39, s'il vous plaît. Il y a plusieurs bras. Alors, il faut faire vite, se lever. Hein. J'ai déjà la Bible, sur la scène. Ah! N'était pas encore arrivé, excusez. Et puis on a mis Pasteur Jocelyn jeudi. C'est pas moi, c'est Jocelyn. Alors là, c'est Marie-Jo. Il va avec Linette Li. M'apprendre ni service, m'appeler pour lui. Non, c'est non, qui était là. Et parce que je vais tout aller, je vais tout aller. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Si ça s'est prié de se lever, s'il vous plaît. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours?
que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un sauve. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vers devant. Il amasse et il ne sait qui le cueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet et je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes cours. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je ne sois plus. Parole du Seigneur. Amen. Merci, mettez-vous, s'il vous plaît. Nous allons passer aux chants spéciaux. Il y a quelques membres du chœur junior. C'est groupe ça, c'est groupe Belinda. La petite fille de la défunte. Tout le monde parle là, mais c'est quelques membres qui vont aller chanter dans l'occasion d'apprendre à prêter l'oreille, s'il vous plaît. Jésus sera ma
regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un numéro pour chanter. Encore, nous avons les femmes chrétiennes de l'Église. Nous avons le groupe dévoué, le groupe d'hommes calem et la chorale Seigneur qui a mis fin. Alors, pour l'instant, nous attendons des femmes chrétiennes. Une et l'autre. Et en pile. Il y a quoi de déplacer? Entre temps, nous chantons un petit chant pour ne pas quitter l'espace-là blanc. Mais t'as pris dans le péché, bien loin la paix, bon Dieu. Moi, t'as pris dans le péché. Bien loin la paix, bon Dieu, n'a moins que de tout ta chair, t'as coulé sans le vin. C'est ce qui t'a pévé, l'aile étendait à moi. Révélé, te souhaiter des puissants, fais-moi. Thank you.
Amen. Amen. Juste ça, je pense que ça va un jour de joie pour moi, pour nous. Alors, le groupe dévoué, il y a un mélange dans la cause à tout. Il y a même déplacé, mais pour l'instant, c'est le groupe dévoué dans le numéro spécial parlé. Et après, nous allons le groupe d'homme, Calem. Les autres devraient rejoindre celles qui sont déjà là.
On dit amen encore non. Amen. Et là, nous prenons fin sous tes sœurs. Nous pouvons aller, je vais essayer là-haut ou bien là-bas. C'est le même qui connaît. C'est là, la réalité pour l'éternité, loin des souffrances, de la maladie, des douleurs, des soucis. Montez, messieurs, montez, messieurs. Montez pour nous, s'il vous plaît. C'est les hommes chrétiens Caleb, c'est le groupe Frère Mario. Après, chanter. Nous serons couronnés, mais à quoi? Après la bataille sera dure, c'est vrai, mais un jour, nous serons couronnés. Nous serons. Dans tes murs, c'était Sion. Dans tes murs.
après la bataille, dans tes murs, c'était Sion. Couronné, après la bataille, après la bataille, après la bataille, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, c'était Sion. Dans tes murs, 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 c'était Sion. Après la bataille, dans tes murs, c'était Sion. Les chrétiens seront couronnés, mais après la dure bataille d'ici-bas. C'est la chorale, Seigneur. Bon, elle va chanter sur place compte tenu de du nombre de choristes avec le maestro Marie-José Dimanche. La chorale va chanter pour vous dans tes verts pâturages. Dernière note, juste avant yo dans tes vers, pâturage, je vais me poser.
À nous dire amen. À nous dire amen. C'est un demeure qui préparé pour tout chrétien. Un bel pâturage. Pour des qui ont bon divin, bon bagage, bagage frais, captant nous. Pas bien douleur, pas bien peine, toute gros chaleur ça, dans lieu ça. Mais a bien chaleur, a bien douleur pour un peu de monde. Mais on même qui déjà prêt pour nous rejoindre, pour nous ensemble participer dans lieu ça, pas bien douleur ça, ni chaleur ça qui n'a pas senti ça. Je espère que vous même qui là, c'est une occasion pour chercher prendre place où. Là, demain ça et pour participer aussi là, bon fait ça qui nous attend. Merci. On va chanter deuxième couplet cantique maintenant dans péché. C'est oui, tout comme je voulais aller pour me toujours avec lui. C'est numéro 429 dans la section créole, chant d'espérance. Oui, tout comme je voulais aller pour me toujours avec lui, pour moi vivre dans la présence lui. Pour me chanter l'orange-lé, à mon lit, si bon, si grand, lui méritait une vie. Pour me servir tout le temps, papa, toute vie. Jésus, sauve-moi, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. La moi, descend ce coup, Jésus, sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Le moins de 150, Jésus, sauve-moi. Mon qui n'a pas cherché, mon qui n'a pas cherché, Jésus, blessé, pour le porter avec amour, tout fardeau qui toi là, la sauve-moi dans ta paix. La cacher au toujours, fortifié au nom du Saint-Lasson. Mais Jésus, sauve-moi, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Le moins de 150, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Le moins de 150, Jésus sauve. Amen. Amen. Il y a une deuxième lecture biblique qui peut être faite, c'est Psaume 90. Psaume 90 avec Psaume 39, c'est des psaumes bien connus, tout commun. On a célébré, veillez ou bien. Funérailles. C'est. Frère Will Divine, pour moi. Psaume 90. Hôtel. Il est sorti? Frère Will Divine, toi. Il est sorti? Ok. Bon. Enfin, sœur. Et Marie-Josée, dimanche. Ok, il y a un petit campé non pour nous lire Psaume 90. C'est la prière de Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Et le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités
et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. N'abchatons en cœur avant que nous entendions message parole, mon Dieu. Sans inquiétude, sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là reprendre ma place. Inonde de l'amour de mon sauveur. Défais le temps, mon cœur. Nous sommes plus fiers. Plus fiers que l'aigle, le condor. Je m'en vais vers les cieux. Dans cette vallée d'ombre et de la mort, je marche sans trembler. Je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon père a déjà visé mon passeport. Déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à prier. Hosanna, Hosanna.
disposez-vous pour écouter la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 5 au verset 7 dans le psaume 39. Éternel, dis-moi quel est le thème de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Parole du Seigneur. Nous allons faire un petit voyage ce soir à travers le verset 5 que nous venons de lire. Éternel, dis-moi, quel est le thème de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours que je sache? Combien je suis fragile. Madame Lemoine d'Orlus, née Marie-Élose Baptiste, Jean, psaume 90, dit Jounou, c'est 70 ans pour les plus robustes. 80 ans, mais Madame Lemoine d'Orlus, c'est une héroïne parce que les quitter 70, les quitter 80 et les arriver dans 92. Un voyage. Quelle destination? Et ce soir, êtes-vous assuré? Chaque monde connaît qui là, chaque monde qui là, il a voyagé. Soit a sorti Jérémie à Port-au-Prince, soit a sorti Port-au-Prince pour aller dans l'autre département, yo. Mais soit a sorti tout dans le pays d'Haïti pour aller dans un pays étranger, nous voyager. C'est que voyage nous, il fait qui ça? Nous toujours préparer voyage là. Je connais ma voyage pour les bagages, m'a préparé l'argent ticket moi. Pour les bagages, deuxième bagage m'a fait, m'a préparé valise moi. M'a préparé toute bagage moi mettre là et puis le m'getan get ticket là même, m'getan fait préparation et puis m'bra l'essayer garder si mieux quelques petits bagages manqué pour me prendre yo parce que m'bra le voyager. Mais sorti de yon pays à un autre pays, il y a une planification faite. De même tout, les nous soutenons ça, c'est pèlerin que nous sommes. Nous sommes tous des voyageurs, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour qui ça? Parce que nous avons un voyage, nous devons faire un si long voyage, et ce voyage-là, nous devons le préparer. Si nous ne préparons pas le voyage, nous devons chier, nous devons chouer sur lui. Et Madame Elouse, m'était quoi que l'été préparé voyage ça. Et c'est un voyage au besoin préparer chaque jour parce que nous pas connaît qui jour, nous pas connaît qui le mettre là après les nous pour le dire nous eh bien passager à bord. Parce que c'est un voyage fortuit, un voyage inattendu. Et c'est pour ça qu'il dit que l'homme c'est un coyon souffle. C'est un fil qui est attaché et il est attaché à mettre. Mais la réflexion qui est faite sur la mort, c'est que il y a
un poète, c'est Maleb. Monsieur on dit, il a réfléchi sur la mort. Et puis, monsieur a réfléchi sur la cruauté de la mort. Pendant qu'elle va l'écrire pour dire, la mort a des rigueurs, à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. Le pauvre, en sa cabane où le chauve le couvre, est sujet à ses lois. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point Noah. Monsieur, on fait comprendre que la mort tellement cruelle, où te mettre à crier, où te mettre à lamenter, où te mettre à verser des larmes, ça va dire rien, les bouches oreilles. Ça fait garder ou crier, l'enfant fin crier ou arrêter. Mais il ferme les oreilles, il ne va pas dire rien, parce que il est tellement cruel et il quitte nous crier. Et non seulement nous quittons nous crier, mais la mort n'a pas fait exception de personne. Et Maleb allait plus loin pour dire que pauvre là qui n'a petit caille pas là, qui couvre en pas là, n'a petit caille là, il est sujet pour mourir. Et il dit, gardio même cap veillé dans la barrière du Louvre, caille roi, avait dit cap veillé roi. Il n'y a pas faire rien, il n'y a pas faire rien. Parce que les larmes ont venu, les cruels sont venus, depuis le venu, il dit que les frappés pour là, les passés sous le monde, ou même qu'on est la prêtre. Et, assurément, il dit que l'homme connaît trois types de morts. L'homme a trois larmes qu'il connaît. Premièrement, c'est la mort naturelle. Deuxièmement, c'est la mort spirituelle. Et troisièmement, c'est la mort éternelle. Et à ce moment-là, je dis à chaque monde qui l'a. Dans la vie, l'homme a trois verbes à conjuguer. L'homme a trois verbes dans la ville pour le conjuguer. Et trois verbes, ça n'a pas qu'à passer outre. Ou te mettre pas qu'on est une verbe qui gagne dans l'autre verbe. Mais trois verbes, ça faut qu'on est, faut conjuguer. Premièrement, c'est le verbe naître. Deuxièmement, c'est le verbe vivre. Et troisièmement, c'est le verbe mourir. Pas de personne moun la. Si tu as un monde qui dit ne pas conjuguer trois verbes ça, on met tout sorti là. Parce que nous tous les nous tout a conjuguer verbe ça, qui tout vle, qui tout pas vle. Premier verbe là c'est le verbe naître. Dans la vie ici bas l'homme intelligent connaît deux passages. Le premier passage est notre naissance humaine. Nous avons passé de ce néant où nous étions 9 mois avant de venir au monde à la situation de ce bébé. Elle dit que premier verbe ça, c'est le verbe naître. Verbe ça, ou conjuguel, mais ce n'est pas vous même qui m'en dit. C'est deux mounions, c'est maman, c'est papa qui mettent ensemble. Et puis, vous chita, vous dites, mes yeux sont petits. Vous planifiez. Et si moun ça, il pas très les moun, il pas dit moun fel. Mais, on a fait quand même parce que, depuis deux moun ça, vous êtes joints, vous avez une naissance. Ou même à être ça, qui c'est un être si précieux, si naturel, si véritable. Et c'est pour ça que Dieu, dans le psaume 139, il dit que nous soyons créatures si merveilleuses. Et le verbe naître, tout le monde conjugue. Et si papa, maman, pas de conjugué verbe naître, pas de là, et nous tous qui là, si papa, maman, nous, pas de conjugué verbe aimer, y'a pas de capable de mettre nous pour une bonne naissance, pour nous-mêmes, pour nous conjuguer verbe naître, pour nous fête, jeudi, nous fête. Et chacun te fête, yon jour. Et madame, Elose te fête, yon 26 septembre. Li conjugué verbe naître. Et l'elfide conjugué verbe naître. Maintenant, l'a grandi. Ça veut dire l'a vive. C'est le verbe vivre. L'a vive. Li participer dans toute activité lio. Li vine procréer. Li vine faire petit. Bah, connaît combien petit, madame Elouz qui était là. Li quitte petit. Li quitte petit lio fait petit. Qui c'est petit, petit et petit, petit lio fait petit. Ça veut dire que madame ça, li conjugué verbe naître. Et verbe vivre très bien. Et dernier verbe, c'est le verbe mourir. Et qui trouve le, qui trouve pas le, pour pas mourir, il faut pas faire. Si vous ne pouvez pas mourir,
faut pas faire. Et de pour faire ou condamner pour mourir. Pas bien sorti de là. Ou de mettre fait sauve. Ou de mettre chelbe, j'en chelbe. Ou de mettre voyager, j'en voyager. Ou de mettre aller côté ou vle. Ou de mettre des connaissances. Passer tout le monde. Mais on va conjuguer le verbe mourir quand même. Ces trois verbes, ce sont trois verbes essentiellement importants dans la vie de tout un chacun. De chaque individu, chaque monde qui a trois verbes ça ou pas capable pas conjuguer. Et c'est le passage du néant à l'existence humaine qui est une existence intelligente et libre. Ce premier passage se fait dans notre sans notre assentiment. Premier passage ça, ça veut dire que on vit dans le néant mais c'est pas au même qui te voulait. Maintenant, on pas différent, on pas pas connaître si on t'a fait. Mais maman avec papa, ils ont été ensemble, eh bien, ils ont essayé de conjuguer le verbe aimer. Et moi, elle dit que ce soir, la longueur de l'amour, c'est 6 mètres 2, 6 mètres carrés. Quelle est la longueur de l'amour? La longueur de l'amour est 6 mètres carrés, 6 mètres 2. S apostrophe Y, M, E, T, R, T, T, R, E, D apostrophe X. Ah, 6 mètres 2. Faut que nous démonions mettons ensemble pour nous donner naissance à troisième état. Ok. Maintenant, et il se fait également dans le péché et dans la séparation avec Dieu. Ça veut dire que pour donner la naissance à un troisième être, il fait sans assentiment, sans consentement. C'est rétro-gado en fait, mais c'est maman et papa qui crée, qui met sous terre. Il faut. Parce que bon Dieu t'a dit, croissez, multipliez la terre, remplissez, croissez, multipliez la terre. Faut que nous gagnions. Il se fait également dans le péché et dans la séparation avec Dieu. L'homme né de la femme est sujet à la mort physique selon la loi du péché et à la mort éternelle s'il ne connaît pas un deuxième passage. Si que l'homme pas connaît deuxième passage que nous allons là qui c'est existence humaine proprement dit l'existence humano divine pour passer de l'existence néant humaine à existence humano divine ça veut dire que au deuxième passage ça sous pas connaît ou connaît en deuxième mort qui c'est la mort éternelle. Le deuxième passage est celui d'une existence humaine à l'existence proprement dit humano-divine. C'est énorme de passer du néant à l'existence humaine, mais c'est encore beaucoup plus du néant à l'existence humaine. De passer de l'existence humaine à l'existence humano-divine. C'est-à-dire l'existence humano-divine, nos racines avec Christ. Maintenant, tout le monde qui accepte Christ dans la vie, yo, eh bien, il connaît deuxième passage ça parce que yo pas capable vivre sans que yo pas connaît deuxième passage ça pour passer de l'existence humano divine parce que sinon on connaît ce qu'on appelle la mort éternelle et assure à tout le monde qui là c'est des monde intelligent et si il y a un monde qui peut faire la paix avec Christ nous t'a souhaité que fait ça parce que sinon pour pas connaître la mort éternelle et madame Elose li connaît la mort physique, lui connaît la mort naturelle. Et la mort spirituelle, ça veut dire que lui ne connaît pas parce qu'elle acceptait Christ dans la ville. Ah oui. Mais la mort éternelle, c'est si ou même ou pas accepter Christ dans la vie, ou l'on pas gagné Christ dans la vie, c'est que ou son monde qui va le connaître, troisième mort, ça, et que c'est un mort qui a une conséquence inévitable du péché. Que nous jouons dans Romains chapitre 6, verset 23, qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui est en Christ est réconcilié avec Dieu. Moun qui est en Christ est réconcilié avec mon Dieu. Et pour yo, la mort physique est un passage obligé qui prend le conduire de la vie, de la vraie vie, de la vie véritable. Parce que madame Elrose Baptiste, lui, même assurant, lui passer de la vie, de la vraie vie, ce qu'on appelle la vie véritable. Parce que, même Jean, Jésus-Christ dit, pour vivre, il faut qu'on mourir.
Et elle pral dit ça dans Jean chapitre 12. La parler de l'histoire grain bléant, il dit grain bléant s'il tombe dans terre, il pas jamais pour le pousser. La connaît yon la mort éternelle. Et il dit pour capable vivre faut qu'on mourir et tout le monde qui la souvle vivre la vie éternelle faut qu'on connaît la mort physique. Faut mourir pour capable vivre. Et même Jean Chandi dans sept crayons, il dit Jésus c'est l'unique espérance, c'est lui qui bail assurance. Il s'est sauvé, il s'est maintenant nous pas rester dans chemin. Et il dit la il dit là nous mourir c'est pas mourir nous mourir mais c'est nous sortir dans ça dans passage ça nous sortir ici pour nous passer l'autre bord et ça le dit nous. Ça veut dire que qui ça pour vivre il faut mourir. Jésus a pu cette vérité par un exemple extrêmement éloquent rapporté au chapitre 12 de l'évangile de Jean, l'histoire du grain de blé. On l'enfonce dans la terre. Il ne voit plus rien. L'humidité le pénètre jusqu'au dedans de lui-même. Il pourrit. Il meurt. Le grain de blé s'est transformé pour devenir ce qu'il doit être, un bel épi en passant par la mort. Et si vous voulez transformer pour une vraie monde qui est rien pour capable aller à la rencontre du Seigneur, pour aller avec Métou, pour être capable face à face, faut qu'on connaît la mort ça, faut qu'on passe. Même j'avais grain blé, faut qu'on mourir. Et si vous pas mourir, ou pas capable connaître la vie éternelle. Dieu le transforme pour le faire passer de l'état de grain à l'état d'épi. Ce qui n'est possible que par la mort. Pour rencontrer Jésus, ou faire ou accepter Jésus comme maître et seigneur sous tes ça. Mais pour rencontrer pour elle face à face, dans la demeure éternelle, il faut qu'on connaisse pas ça. Il faut qu'on connaisse. Il y a un peu de monde qui frappe l'estomac. Il y a un peu de monde comme si qui blie, qui fait des réactions, mais qui blie s'il y a mouru, s'il y a la mort qui existait. Il y a pile monde comme si gade le faut ouais vivre les vivre vous demandez mais est-ce que monde ça pense que la mort et je dis la question à poser si bon Dieu pas te mettre la mort c'est que gade monde qui va t'a quitter monde vivre parce que eux même yo te connaît pas mourir yo au pilon mais c'est celle qui t'a existé mais malheureusement heureusement bon Dieu mettait la mort elle dit que les monde n'a tout bizikou les monde n'a barré ou sous chemin les monde n'a fait tout ça pour le faire les monde n'a fait perdu, la moun n'a pas estropié moun, volé, pillé moun, fait tout bagay. Mais gon kafou. Gon kafou, parce que le bral jeune avec zo grani. Le bral jeune avec maintenant, parce que c'est lui-même qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des moun qui ne pas comprendre. Qui ne comprennent que l'an mort pas existé, pas que l'an mort. Pour ça, moun a fait. Ou mando, est-ce que vous pensez que l'an mort? Mais grâce à Dieu, il met des barrières. Il faut traverser quand même. Il faut traverser. La mort naturelle, nous connaissons, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 19. Il dit, dans Genèse chapitre 3, verset 19, on a regardé qui ça le dit. C'est à la sueur de ton visage, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est la sentence prononcée par Dieu. Après que Adam avec un fin péché dans le jardin, eh bien, il connaît ça qui est la mort naturelle et ses conséquences péché. Et bon Dieu va prononcer sentence pour le dire. L'homme devrait mourir. Et il dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit que fais sauver, bat moun jonvle, parler avec moun jonvle, pas respecter moun, comprendre si c'est celle qui existe ou c'est poussière, mais on va tourner dans la poussière. Bon groupe qui chante, il dit, c'est petit souffle gain qu'il faut caler. Il y a pile moun, et ti souffle là, depuis souffle là coupé. A gen rien encore.
Madame Elrose, vous voulez bouler, bouler. Vous voulez quitter là, quitter. C'est vous qui connaissez, est-ce qu'on cabrete là? Est-ce qu'on cabrete? Si vous cabrete, vous mettez quitter là. Madame Mario, vous tournez là, vous là, depuis le cabrete avec le cap, quitter. Mais Madame Elrose, pas connaît rien. Vous avez dit, allez, vous allez mourir, vous allez pour vous mettre dans la glace. Vous allez vous faire rien avec moi. Puis vous allez vous mettre côté bon. Tout c'est nad marinade. Parce que depuis vous mourir, vous pas connaît rien. Et je dis, là, chrétien, vous avez besoin de connaître que. Là où moun mouri ou pas capable d'adorer moun sa encore, pas capable vénérer encore. Li mouri, il mouri, net. Fini. Fini. Et la mort spirituelle, lui-même, est synonyme de aliénation de Dieu. Que nous jeunes dans Ephésiens chapitre 4, verset 18. Parce que l'homme, intelligence yo bouché, intelligence yo obscurci, il oublie si gagné bon Dieu, il fait ça yo vle. Ok, vous faites ça, vous voulez. Et maintenant, le fait que vous faites ça, vous voulez, mais oubliez si bien bon Dieu. Et comme ça, même si y a pas de l'évangile, l'évangile a prêché, mais ça n'a pas dit rien. Il y a même si vous prêchez l'évangile, le temps de l'évangile, le temps de l'évangile, ah, maguetan. Ça a bon, et s'il répond nous, maguetan, parce que vous connaissez qui est bon Dieu à frapper. Il y a quelqu'un qui dit, qui sont venus dire la même. Mais on connaît ça qui veut chaque fois que nous venons là, dans le funérail, il y a quelqu'un. Ou besoin de réfléchir à la vie pas. Qui j'en voyage pas m'naye? Est-ce que m'a bien voyagé? Est-ce que m'a réglé les affaires? Est-ce que ticket m'a prêt? Qui avion m'a pris même? Et qui dit, pas gagné 50 avions, pas gagné American Airlines, pas gagné Copa, pas gagné. Pas connaît. Tout ça nous connaît. Tout ligne aérienne nous connaît. Pas gagné pour aller dans celle-là, mais il y a une seule ligne aérienne qui prend dans celle-là, Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Elle veut dire que si vous pas choisi, et c'est le même qui dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Elle veut dire que si vous êtes fait sauver connaissance intellectuelle ou rang social ou dans la femme ou sorti, on étudie la Sorbonne, on a combien de diplômes, on a doctorat, on a post-doctorat, toutes ces bobines. Pour entrer dans celle-là, il y a un seul monde qui a besoin de gagner, ou besoin de gagner, Jésus dans la vie. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Oui, avait dit que des pour pas gagner Jésus, tu as fait tout ce qu'on fait. Et il y a un grand auteur, c'est Voltaire ou Rousseau. Je ne sais pas si on a un. Monsieur ça, il dit, c'est ton atelier, mais sois pas contre bon Dieu. Mais il dit qu'il n'existe pas de vrai athée. Pas de vrai athée. Parce que mon Congo bagay qui arrive, il dit, Jésus, par exemple, soit mon nombre a fait accident, ou bien, quel que soit mon nom, c'est plus gros diable qui te gagne. Mais depuis le accident, il vient devant le premier bagay, il dit, Jésus, ou bien Seigneur, sauve-moi. Et ça, il dit. Ouais, pas de athée, vrai. Mais monsieur, ça, il fait une déclaration. Et cette déclaration, c'est une déclaration extrêmement importante dans la vie de chaque individu, de chaque chrétien, de chaque personne. Monsieur, en vol mourir, ou monsieur, pas de compte l'évangile, qui pas de compte bon Dieu. Puis on parle de bon Dieu. Mais les messieurs, après le mourir, ils font une déclaration pendant les coucher dans la salle, côté le coucher, dans la chambre. Et puis, c'est votre, il paraît côté là, et puis il a parlé, il dit, je voulais dire un dernier bagage. C'est votre là, écoutez. Il dit, bon Dieu, bien. Je dépasse toute vie, je ne compte bon Dieu. Je dépasse toute vie, je ne compte l'existence, bon Dieu. Et puis, quand je parle de bon Dieu, il dit, mais je réalise que pendant le dernier moment, ça y est. Il est facile pour un monde passer toute vie sans bon Dieu, mais qui ne va pas mourir sans bon Dieu. Est-ce que l'église est là avec moi? Il dit, c'est votre là. Moi, je sentis que j'ai fait erreur. Mais je réalise dans la vie que je suis capable de faire toute vie ou à vivre. Je suis capable de faire tout ce que j'ai dans la vie sans bon Dieu. Mais pas quitter une fraction de seconde passée pour mourir sans bon Dieu. Et à ce soir, l'appel est fait à tout un chacun. N'importe qui est là, si vous pouvez gagner Christ dans la vie, ou pouvez faire bon Dieu sa confiance, demandez-vous que vous t'a cherchez. Cherchez mon Dieu. Parce que il est temps. Il est encore tôt. Avant qu'il soit trop tard, vous devez le chercher. Cherchez mon Dieu. Parce que vous êtes capable de faire toute vie sans mon Dieu.
mais pas mourir sans bon Dieu. Et à soi-là, mon qui est intelligent, yo me connaît que yo mourir naturel parce que nous toutes nous hériter de péché Adam avec Ève. Nous cap mourir physique mais bat pour pas mourir pour connaître la mort éternelle. La mort éternelle c'est pour les impies, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'acceptent pas d'entendre la voix de Dieu. C'est pour eux la mort éternelle existait. Mais garçon avec fille intelligent, yo gete fait la paix avec Christ, yo pas connaît la mort éternelle. Et je voulais dire à soi, hein, la mort est un passage obligé. Mais pour les bagages, il faut qu'on ait une destination. Il y a des gens qui peuvent aller au Canada, ils sont en Haïti, destination c'est pour le Canada. Il y a des gens qui peuvent aller en France, destination c'est pour la France. Il y a des gens qui peuvent aller aux États-Unis, destination c'est aux États-Unis. Si vous demandez qui côté vous aller, qui destination, il dit je suis en Haïti, je vais aller en France. Je suis en Haïti, je vais aller aux États-Unis. Je suis en Haïti, je vais aller au Canada. Ah, ma psaute Haïti, je vais aller en Amérique. Ma psaute Haïti, je vais aller en Europe. Je vais aller en Asie. Il y a une destination qu'on côté le aller. Mais, les gens qui par contre bon Dieu, si vous demandez qui côté vous aller, vous n'avez pas de destination. Vous n'avez pas de destination. Mais chaque monde qui est là, qui est en Christ dans la vie, qui est intelligent, si vous demandez qui destination vous connaissez qui côté vous aller. Amen. Est-ce qu'on compte côté aller? Est-ce qu'on compte côté aller? Oui, le chrétien sait où il va. Parce que nous avons ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que nous avons Jésus dans notre vie. Puisque vous avez Jésus dans votre vie, vous savez là où vous irez. Vous connaissez qui vous allez? Oui, vous connaissez qui vous allez? Et ce n'est pas intelligent du tout. Et je dis, si vous me demandez qui vous allez, est-ce que vous connaissez qui vous allez? Je réponds, je dis oui. Est-ce qu'on compte côté bralé? Oui. Est-ce qu'elle doit pas mourir? Non. Chrétien pas doit pas mourir parce que il sait où il va. Il compte qui côté bralé. Mais est-ce qu'on déjà assuré côté bralé? Ça c'est la grande question. Rassurez-vous déjà où vous irez. Est-ce qu'on connaît côté bralé? Si pas compte côté bralé, assurez-vous. Les importants pour connaître déjà, pour aller côté où aller, côté où vous aller, il faut gagner Jésus dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus, seul, unique, espérance, c'est lui seul qui bat assurance. Laissez soutien, laissez force moi, et moi pas prêté dans le chemin. Jésus, c'est vous qui délivre, c'est vous qui sauvez, aucune autre place, pas caché, aucun autre temps, pas délivré. Choisir la direction, souffrir, périr sans rémission. Jésus, c'est qui délivre, c'est au sauveur qu'a pékembe, c'est au sauveur qu'a pékembe. Mais le tout bagage, le sombre, moi garde Jésus, moi campé. Ce coup, la présence les Jésus, c'est où qui délivre, c'est où s'en va, capé kembe, c'est où s'en va, capé kembe, quand ça l'a manqué pour venir, mais toutefois ça, c'est pas mourir, Jésus, pas que la mort, c'est femme, j'ai. Louvre l'autre bord. Jésus, c'est où qui délivre.
même c'est un sauveur car quelqu'un amen. Psaume 39, psaume 90 parle de la fragilité de l'homme, de la vie sur la terre. Dans des paroles là, ce qui importe en ces temps d'elle, appliquez-les dans la vie, c'est ça qui est plus important. Donc il y a deux des petits-enfants de notre sœur défunte qui peut l'exprimer là d'abord. Qu'est-ce qu'on apprend avant, lui dit ou bien il dit? Ok, c'est lui qui a venu avant. Et après, il faut parler de grand-mère. On s'est dit à son seul discours, pas qu'on est, mais il a parlé. Moi, on a c'est arrière. Tu me dis ça, c'est arrière. C'est arrière, puis c'est petite, petite, petite. Et c'est nous. Bonsoir. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi, c'est Myrtille Lydie et petite petite Marie-Elos Baptiste. Et c'est petite l'église là tout. Il y a un pile de monde qui reconnaît moi parce que c'est l'âme faite, c'est l'âme levée. Donc presque tout le monde s'en sait qu'on aime. Je ne peux pas dire un pile de parole de gun, moi. Mais celle-là, ça m'a dit. Depuis les membres, c'est vrai. Il te voye m'baye gon mwen en dehors. Et c'est gon mwen qui sensé bon on éducation quand elle m'te ka di qui fait tout parce que il te levé elle était toujours bon tout principe qui gagne et son gon qui vraiment strict ça m'ka di le fort il vraiment strict ak petite petite li et pas gon ti moun qui pou devant gon mwen pour qu'on on va agir n'importe gens ça non li pas permet tout. Et ceci, c'est plus grand honneur que j'ai pour me faire grand comme ça. Et c'est avec tout cœur, tout moi-même, je dis merci pour ça que tu as porté dans la vie, merci pour ça que tu as fait pour moi. Et je souhaite le bon voyage. Merci. Okay. La mort est un état irréversible d'un organisme vivant ou d'une personne ayant cessé de vivre. Et se caractérise par une rupture définitive des processus vitaux. Ainsi, toute personne ou organisme biologique sont obligés de prendre cette voie. L'homme naît, grandit, épanouit, vieillit et meurt. Selon les scientifiques occidentaux et vrais de la philosophie athénienne, Platon, Aristote, les partisans de la Renaissance, Rabelais, Ronsard, les philosophes des Lumières, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, après la mort, c'est la fin. De l'autre côté, les Africains vaudorisants conçoivent la mort comme une sorte de transformation. Dans la philosophie chinoise, avec Maître Confucius, se nommé Maître Kong, la mort n'est autre qu'une incarnation. Mais pour nous autres, les chrétiens, la mort est un gain, une victoire. Et sur ce, Marie a combattu le bon combat. Marie Baptiste, Madame Lemoine Baptiste Dolis, née le 26 septembre 1931 aux Abricots, 4e section de la localité de Loco. Elle est née d'une famille de 2 enfants. Marie Baptiste et Marcel Baptiste. Elle est l'aînée de cette famille. Marie a passé son enfance et sa jeunesse
à Loco, après avoir marié avec le mandolis défunt, elle se rendait à Cuvier, deuxième section communale des Abricots, accompagnée de son époux. Là où elle enfantait 9 enfants, dont 3 garçons et 6 filles. Alice Mène Dolis, décédée. Ilianise Dolis. Madeleine Dolis. Orinor Dolis. Vénèse Dolis, Madame Mario. Et Winlor et Vinlor, deux jumeaux décédés. Selna Dolis et Giovanni Dolis. Grande-moi, c'est une femme de combat. C'est pas ton femme qui t'est pergoumé. Et à 75 ans, Gagman était toujours une kivette sous tête lui. Il va laver. Il a une petite bio. Et il était toujours prêt. Et soucié de manger des petites lio. Grand matin, les vacances, café fait bonnet. Et tout le monde vient café. À 9h, il fait manger encore. Et après midi, il fait souper. Tante Marie, Pat Inagé, les Pat Idika, les Pat Ferno Ava d'Université tout. Mais c'est un véritable gestionnaire. Et c'est une femme qui était campée, des jours, avec poivron sèche, lit, acheté une terre. Et une terre qui est extrêmement fertile et qui te permet de faire l'éducation avec toute petite lio. Et nous-mêmes qui petite, qui te permet de nous capables de jouir de ça autour, de terre ça qui est extrêmement fertile. Et nous capables de dire que si des jeunes chances, je rentre dans la faculté de sciences humaines, l'université de l'État. Et c'est grâce avec grandement tout parce qu'elle t'a contribué en pile dans ça. Et si qu'on y a si capable professeur, m'a prendre service avec communauté, Abricot. C'est grâce avec grandement. Et n'a fini. Nous tenons à remercier toute la communauté de l'église baptiste de Jérémie. Le pasteur Alfred Félix, le corps diaconat grande chorale. Femmes chrétiennes, les musiciens. Nos remerciements vont à la délégation abricotine. Tout le monde abricot, chapeau bas pour nous. Qui quitte toute activité nous pour nous capables de venir prendre part dans l'activité ça. Et nous voulons remercier la délégation de Port-au-Prince. Remerciements d'une manière spéciale à Venise, Madame Mario et Ilianise, qui c'est ma maman. Et qui était là dans le dernier moment, grand-mère, et le moment difficile. Yo. Ma tante, merci. Maman, merci à Pierre. Et merci, merci, merci à tous ceux et toutes celles, et d'une manière ou d'une autre, qui ont contribué à la réalisation de ces funérailles. Et famille, attend tout le monde, à recevoir tout le monde dans la foi culturelle. Et merci, merci beaucoup. Elle crie à fort qu'on est. Wow. Jésus seul l'unique espérant. C'est le seul qui baille à suivant. Il se soutient, il se force moi. Et moi, pas prêté dans le chemin. Jésus, c'est où qui délivre, c'est
c'est où sauva ta paix qu'elle place pas comme caché, aucun autre nom pas délivré. Mon qui choisit la direction, souffre et périt sans rémission. Jésus c'est où qui délivre, c'est où sauve. N'a prié s'il vous plaît pour nous capable terminer. Bon petit patience, n'a fini qu'on y est. Papa bon Dieu qui a relancé là, Dieu fort, Dieu grand. Nous venons beaucoup de temps dans le moment ça, Seigneur, pour nous dire merci. Pour le privilège que tu as accordé nous, Seigneur, pour nous être capable de participer dans le funérail servant tout. Nous disons merci en pile. Merci pour ça, papa. Quand il y a un moment arrivé pour nous déposer vieux corps à Seigneur qui est une poussière qui pourra le tourner dans la poussière côté de sortir. Nous disons merci de ce qu'il t'a accepté comme maître Seigneur la ville. Ça veut dire Seigneur, nous crions Mosso, nous prenons peine Mosso, mais nous connaissons un jour, nous allons rencontrer avec lui dans la gloire. Nous levons famille à la main au Seigneur, nous demandons s'il vous plaît qu'il soit capable de consoler. Consoler petit au Seigneur. Pour yon capable de prendre exemple sur maman yon. Sa maman yon te kon fait, sa maman yon te kon dit, et Jean yon te kon, Jean te kon servi yon. Kon sa Seigneur pour yon servi il, pi bien passe maman yon encore. Nous demandons au Seigneur que yon va prendre soin, yon va protéger yon et yon va garder yon. Nous nous merci depuis dimanche, c'est avant tout pas là encore. Sa kla, c'est vieux poussière kla. Pour te arriver jeudi samedi à se plicher c'est la glace puis te mettre pour te tendre jour ça ouais Seigneur nous pas rien merci Seigneur Dieu puisque vous faites nous qui choye par moyen sans Jésus-Christ merci en pile pour sans ça qui t'est versé liban nous valeur Seigneur les nous mourir nous connait côté nous braler merci pour serviteur Seigneur qui t'est prêché la parole et chaque monde te joindre parce que Seigneur c'est pèlerin voyager nous sur la terre. Nous pas vinn pour nous rester pas gagne un monde qui dit pas braler tout monde braler les lamo passé prend ou pas ka dit ou pas braler mais nous demandons s'il vous plaît fais nous connaître qui côté nous braler les nous mouri Seigneur Dieu nous gon côté pour nous aller fais nous penser à ça ça qui pour qu'on connaît les ou mouri côté ou braler nous demandons s'il vous plaît frappez porte que ou à la repentance nous nous merci en pile qu'on y a Seigneur chaque monde. Pour aller regagner maison yo Seigneur, nous demandons que l'esprit de paix capable reposer dans yo. Pas oublier petit yo Seigneur pour tes consolations pour yo, pour tes réconfort ba yo. Ça yo qui sorti pas au prince, nous levons la main, retouyons la main, abricot, retouyons la main Seigneur. Chaque côté, nous levons la main s'il vous plaît, on va mener yo aller en bien. Nous remettons nous la main, nous mettons soirée nous la main au Seigneur. Nous va passer une bonne nuit parce que nous connaissons servante là pour reposer. En bas zèle tout puissant, c'est ça ou même dit Seigneur Dieu dans la parole. Moun qui rete demeure en bas zèle ou, yo jwen une protection, ou ap défann yo contre tout malheur, ou ap défann yo contre tout accident, et ou ap défann yo c'est même contre adversaire. C'est ça qui fait nous connaître, nous bien garder. Rete avec nous et prends soin nous dans nos petits tout Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Pasteur Joël. Eh bien, bon, comme vous comprenez ça, c'est mon fini. Après, c'est tout le monde qui était là. Et toujours, Kembe, famille, dans la prière, dans la visite, c'est très important. C'est la bénédiction maintenant. L'Assemblée se met debout, c'est vous. Que la paix de Dieu qui se passe toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dès maintenant et à jamais.